Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film HHhH, réalisé par Cédric Jiménez. L'histoire, en 1942, nous allons suivre un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale, au travers du regard de Heydrich Reinhardt, le chef de la Gestapo, et d'un groupe de résistants tchécoslovaques, et cet événement, c'est la tentative d'assassinat sur Heydrich Reinhardt. Je reste hyper vague parce que sinon, si j'essaie de trop rentrer dans le détail, je vais trop vous en dire. C'est adapté donc d'un roman écrit par Laurent Binet qui avait reçu en 2010 le prix Goncourt du premier livre. C'est très particulier le fait de Jiménez. C'est un long métrage qui a une passion en fait pour le regard qu'il porte sur le personnage de Heydrich. C'est également un film qui parle avec beaucoup de justesse de la Seconde Guerre mondiale et d'une résistance que l'on ne connaît pas forcément, la résistance tchécoslovaque. Le souci, c'est que c'est un long métrage qui prend tellement le roman de Laurent Binet au pied de la lettre que résultat, on se retrouve avec un film qui manque d'équilibre et qui a un message qui est extrêmement vague à la fin du film. On voit ce que Cédric Jiménez veut raconter, on voit la manière avec laquelle il veut le raconter. Le souci, c'est qu'on a le cul entre deux chaises lorsqu'on arrive à la fin du film parce qu'on ne sait pas si le long métrage a d'abord voulu nous faire comprendre comment Heydrich est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire l'une des figures du mal emblématique de la Seconde Guerre mondiale, soit nous faire découvrir cette résistance tchécoslovaque que l'on ne connaît pas beaucoup. Ça pose vraiment problème parce qu'il y a une idée, le film est passionnant, mais à la fin on reste coincé sur ça. Au niveau de l'écriture, donc c'est basé sur l'œuvre de Laurent Binet et le scénario est écrit par Audrey Diwan, David Farr et Cédric Jiménez. David Farr qui dernièrement avait réalisé The London House. Là où le scénario pose problème, c'est parce qu'il est découpé en deux gros morceaux. La première partie va se concentrer sur Heydrich et sur comment il est devenu le chef de la Gestapo et comment il s'est retrouvé en poste en Pologne et comment il a failli se retrouver en poste à Paris. Et la deuxième partie, c'est comment la résistance tchécoslovaque s'est mise en place pour organiser la tentative d'assassinat sur Heydrich en 1942. La première partie est passionnante. Vraiment, elle est très très bien foutue. Il y a un très joli travail d'écriture, il y a une très belle ambivalence entre les différents personnages, il y a un regard qui est porté sur la Seconde Guerre mondiale qui est neuf, parce que pour une fois, les vraies figures du mal qui sont mises en avant, c'est Himmler et Heydrich, et non pas Hitler. Là, on voit jamais Hitler dans ce film. C'est assez saisissant, mais le parti pris de ne jamais montrer Adolf Hitler et de, au contraire, mettre ses lieutenants et ses sous-lieutenants en avant comme les vraies figures qui ont organisé la solution finale, c'est vraiment intéressant. Et la deuxième partie, qui là est cliché comme c'est pas permis, qui enchaîne les poncifs vraiment lourds du genre, là où ça aurait pu être beaucoup plus subtil et où les trois scénaristes ils auraient pu amener beaucoup plus d'élégance. Parce que la première partie a une très belle réflexion autour de qu'est-ce qui est une vraie figure du mal. Est-ce que ce sont les lieutenants qui agissent pour leur Führer ou est-ce que ce sont les lieutenants qui prennent eux-mêmes des décisions qui ne sont pas forcément données par le Führer? Là est intéressant. Mais dans la deuxième partie, la réflexion c'est « Oh, mais pourquoi des jeunes soldats se sont retrouvés à mourir durant la Seconde Guerre mondiale ?» Le souci, c'est qu'on ne nous montre pas vraiment des idéaux qu'ils défendent, on n'appuie pas assez la manière avec laquelle ils pourraient avoir un regard patriotique. C'est vaguement expliqué durant quelques secondes où ils disent qu'il y en a un qui veut aller aux États-Unis et l'autre qui a envie de rester et de se trouver un petit logis et de vivre une vie tranquille, mais sinon, on ne sait pas quels sont leurs idéaux et pourquoi ils se battent. Et en tant que tel, ça nous laisse un peu de marbre. C'est le gros souci. C'est le gros souci parce qu'en termes de pure mise en scène, Cédric Jiménez, il a vraiment pondu un film qui a une putain d'ambiance. Le long métrage est porté par une ambiance qui fait froid dans le dos et qui prend aux tripes. Il y a un très joli travail de captation, l'image a un vrai grain. Il y a un grain qui par moments est hyper réaliste et rend le film vraiment hardcore. Il y a des séquences qui sont terribles, qui sont d'une violence folle. Cédric Jiménez, il n'a pas peur de montrer des soldats de la Gestapo assassiner des juifs en pleine campagne, mais comme ça, on les voit se faire assassiner à la chaîne, c'est hallucinant de froideur. Là-dessus, il a vraiment réussi à construire quelque chose, et ça fait pas putassier. C'est vraiment pour montrer l'horreur de la Gestapo et le travail chirurgical que faisait Heydrich avec ses troupes en passant derrière tout le monde dans les différents villages que l'Allemagne est arrivée à conquérir. C'est saisissant là-dessus. Jiménez, il a vraiment réussi à créer une imagerie qui prend vraiment aux tripes. Après, c'est l'autre souci de Cédric Jiménez, c'est que il a une imagerie qui est forte. Le souci, c'est qu'on pourrait dire que cette imagerie est très putassière, parce que par moments, ça fait vraiment iconisation de la violence. Genre c'est hardcore, genre pour vous donner un ordre d'idée, quand il fait des gros plans de flingues qui tirent dans le vide, où on voit les déflagrations des coups de feu, c'est très putassier, hein, quoi. C'est le gros souci de Jiménez, il y avait le même souci dans la French, il avait tendance à tellement vouloir iconiser ses personnages qui faisaient des plans mais qui étaient, voilà, qui étaient vraiment iconiques à crever, quoi. Et là c'est vraiment dans son extrême, quoi. Il y a des séquences où c'est du ralenti, où c'est des coups de feu qui sont genre montrés avec les gros guns face cam. Enfin, c'est intéressant, mais après, ça fait vraiment putassier, quoi. Ça fait vraiment gros lourd et ça fait limite gros beauf de la mise en scène, quoi. C'est le gros souci. Mais ça arrive quand même à donner un cachet au film et ça permet au long métrage d'avoir une sacrée ambiance. Après, il y a un casting. Là-dessus, le casting, il n'y a aucune faute. Le casting est allé chercher des des deux côtés de l'Atlantique. Il y a du côté anglais, il y a du côté français et il y a du côté américain. Jason Clarke et Rosamund Pike sont excellents dans le rôle de Heydrich et de sa femme. Ils sont vraiment excellents. Les deux gros coups de cœur restent quand même Jack O'Connell et Jack Raynor, qui sont vraiment très très bons tous les deux. Ils ont des sacrées gueules et ils prennent vraiment aux tripes. Ils arrivent vraiment à porter leur personnage le plus loin possible. Gilles Lelouch est le Max Payne de la résistance tchécoslovaque. Parce que je vous jure, la seule séquence quasiment où on le voit, il est putassier en crevé. Il a deux flingues et il bute les gars de la Gestapo, mais comme c'est pas permis. Céline Salette est très très bonne elle aussi. Et Mia Vazikowska aussi dans un petit rôle est vraiment bien. Au final, HHhH, c'est un long métrage qui aurait pu avoir plus d'impact s'il avait été plus subtil, qui aurait pu être plus intelligent s'il avait été moins dans le cliché au niveau de son écriture, qui aurait pu être plus élégant si c'était moins donné un côté putassier dans sa mise en scène, mais ça reste un film qui prend aux tripes et qui a vraiment une passion pour le regard qu'il porte sur les différents personnages qui ne sont pas au cœur de son film. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir HHhH de Cédric Jiménez, allez-y parce que tout de même ça reste un film qui parle d'un moment important de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. A plus!